Un député et des militants en peignoir. Une action symbolique insolite menée par une vingtaine de personnes, des politiques et des associatifs, devant les bains-douches de Lille pour s'opposer à leur fermeture. C'est le dernier bain-douche municipal qui permet à un certain nombre de populations qui sont dans une extrême misère, une extrême précarité ou qui n'ont pas chez eux les moyens de prendre une douche ou un bain, qui viennent prendre une douche ou un bain ici. Voilà. Et alors je sais que la mairie propose que ça se fasse dans quelques salles de sport ou quelques piscines, mais c'est quand même pas la même chose, notamment en termes de dignité, de pouvoir avoir un lieu dédié à cela. Ces bains-douches sont les dernières à exister au nord de Paris. Tout le monde peut s'y laver, du mercredi au dimanche. Pour les plus précaires, l'entrée est gratuite. Pour les autres, elle n'excède pas 2,05 €. Arrivé d'Algérie en 2004, Saïd les a utilisés pendant 3 ans pour sa seule douche de la semaine. Il faudrait arrêter de détruire un peu les biens sociaux des pauvres gens, parce que nous sommes des pauvres gens, et défendre ce produit-là, que les gens puissent aller se laver quelque part. Pour la mairie de Lille, pas le choix. Le bâtiment, vieux de 65 ans, est vétuste, il doit fermer. La ville promet des alternatives aux usagers. On va pour chacun trouver des solutions qui reposeront soit sur le fait de se rendre dans des associations qu'on accompagne, comme la Maison du Salut, la Belge, l'accueil Frédéric Ozanam. On va ouvrir quelques bâtiments qui appartiennent à la ville ou en lien avec des associations où les gens pourront se rendre pour bénéficier de bains. L'établissement fermera en 2019, assure la mairie, sans plus de précision sur la date. L'année dernière, les bains ont enregistré 12 000 entrées.